Vraiment, merci d'être venu si vite. Toi aussi. Est-ce que tu as besoin de me remercier? Sache qu'à n'importe quelle heure que tu vas m'appeler, je vais seulement débarquer. Vas-y, dis-moi. En fait, j'ai besoin que tu me donnes ton avis sur l'un de mes proches. Accouche. Bon, voilà. Il y a quelque temps, j'ai fait la connaissance d'un nouveau jeune homme. Il est vraiment sympa, romantique et le plus important. Il dit qu'il m'aime. Tu parles comme si tu as rencontré le prince charmant. Toi aussi, arrête. Tu sais bien que les princes charmants n'existent que dans les films. C'est ce que tu crois. Mais bon, plus sérieusement, il est vraiment différent. Il sait parler aux femmes. Il est à l'écoute. Et surtout, il a un de ses sexes à pile. Ah, ma chérie, tu vas finir par me faire envier ton gars, façon que tu le vantes là aussi. Est-ce que tu as parlé de lui à Malika? Oui, oui, elle l'a rencontré, elle l'aime bien. Eh bien, qu'est-ce qui t'empêche alors d'être avec ton gars? Hein? Si tu l'apprécies et que c'est réciproque, je ne vois pas où est le mal. Le problème, c'est que il est plus jeune que moi. Plus jeune, c'est quel âge comme ça? Je le dépasse de 5 ans. Bah, 5 ans, c'est négligeable. Ce n'est pas si grave. Et en plus, s'il te plaît et que vous vous appréciez mutuellement, tu te lances. Tu es sûre? Mais bien sûr, toi aussi. Ok. Le voilà. C'est bon. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Molo, je te présente ma copine Gobikai. Hein? Gobikai, je te présente Molo. Merci. Enchanté. Le plaisir. Qu'est-ce qui t'amène ici? Juste à la maison, j'ai vu Malika qui m'a dit que tu étais ici. Donc, je suis passé pour te faire un coucou avant d'aller voir un de vos professionnels. C'est vraiment sympa, c'est gentil. Tu prends quelque chose à boire? Attends, je sais déjà ce que tu bois. Toi, c'est un jus naturel comme d'habitude, c'est ça? J'aurais aimé, mais non. J'ai déjà consommé avant. Je suis. Oui, ça va, ça va. Je suis. Bon, un instant, j'arrive. D'accord. Je demande. Elle est comme ça avec tout le monde ou c'est parce que c'est moi? C'est à moi que vous avez dit? Ah! Oui, c'est comme ça qu'elle est avec tout le monde. C'est une femme très gentille. Elle aime bien quand les gens sont à l'aise à ses côtés. Ah. Ça, j'avoue qu'elle sait bien recevoir. Et elle a vraiment bon goût dans le choix de ses amis. Vous êtes une très belle femme. Merci. Sérieusement.
C'est quand même possible de vous résister. J'avoue que si vous n'étiez pas le coupable de moi, puis je penserais que vous êtes en train de me faire la cour. Pas du tout. Je dis juste tout ce que je pense. Vous feriez donc mieux de dire tout bas. Parce que tout ne mérite pas d'être entendu. Merci. Ah, voilà ta boisson. Je n'étais pas nécessaire. Oh, il faut bien que tu prennes un peu d'énergie avant d'aller au boulot. Ah, ok. Je vais ouvrir. Bon, ma chérie, je pense qu'on a fait le tour. Je vais devoir partir. On va se rejoindre plus tard. Ok. Au revoir. Un bisou, ma chérie. Prends soin de toi. Toi aussi. Je vais dire au revoir à ta copine. D'accord. Tu t'en vas déjà? Ça ne se voit pas. Je pourrais avoir ton numéro, s'il te plaît. Pourquoi faire? Dis donc, tu ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je vais avoir une tête à tête avec toi, dans ton restaurant. Et comment tu sais que j'ai un restaurant? J'ai mes sources, non? Ah, ok. Tu ferais donc mieux de rester avec tes sources. Hmm? Ça ne m'intéresse pas. Une soirée. Robikai. On est là, non, rien de grave. Tu as finalement accepté de sortir avec lui? Non, toi aussi. Il n'est pas mal comme garçon. Les filles du lycée ne vont pas le laisser. Si tu veux savoir, je m'en fiche. Pour l'instant, sont mes études d'abord. Oh wow, la future Michelle Ndoki de notre pays. Tu ne trouves pas que tu exagères par hasard? C'est quand même une énorme somme ce que tu me demandes là. Bonsoir les filles. Bonsoir maman. Bonsoir. Bonsoir. Je comprendrais que tu ne veux pas m'aider. En même temps, je ne te force pas. Lui c'est qui? Tu vas pas me raconter des choses, mais tu veux savoir pour les voir. Malaika. Ok. Lui c'est le petit ami de ma mère. Petit quoi? Oh. Chut. D'accord. C'est compris. Je promets de t'aider, d'accord? Allez, viens là. Merci beaucoup, chérie. Malika. Tu n'as pas ta vie. Je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît. Bonsoir, ma. Bonsoir, monsieur. Ma, tu as vu le nouveau copain de Tata Baïha? Combien de fois est-ce que je t'ai déjà demandé de ne plus te mêler des affaires des gens? Ma, je ne me mêle pas. Je veux juste qu'on en parle. Je ne veux pas en parler avec toi. Tu ne le trouves pas un genre? Un genre comment? J'ai l'impression qu'il est plus jeune que elle. C'est normal. Si ça ne la dérange pas, elle, ce n'est pas grave. Et en plus, en amour, il n'y a pas d'âge. L'amour par intérêt, tu veux dire? De quoi tu parles? Aujourd'hui, avec Malika, j'ai vu comment il lui demandait de l'argent. Et en rentrant pour prendre ta robe chez Every Shoe, la boutique de Tata Claire, il les a vus là-bas. Il faisait quoi avec Tata Claire? Il ne sait pas où. Il était sur le point de se faire le bouche à bouche. Tu es sérieuse là? Je vais mentir pour gagner quoi? En tout cas, merci beaucoup de m'avoir informé, ma fille. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il aime les mères âgées. Comme tu ne comprends pas là, c'est mieux ainsi. Je ne veux plus en parler. Va dans ta chambre. C'est quoi, il t'a aussi? Hey, c'est quoi?
Toi, tu me suis seulement. Disons que le destin fait tout pour nous réunir. Et qui suis-je pour refuser le destin? Moulom, je vais te dire quelque chose. Évite de vouloir manger les repas des requins. Gobikai. Il y a une chose que tu ignores. Le requin dont tu parles là, je le consomme tous les matins. Si tu veux me tester, vas-y. Je suis là. À quoi est-ce que tu joues au juste? Tu n'es pas avec Bahia. On laisse Bahia où elle est. Parlons plutôt de toi et moi, de cette alchimie qu'il y a. Tu sens pas le feu qu'il y a entre nous là? D'accord. Mais bon, s'il te plaît, pas ici, ce n'est pas très prudent. Ok. C'est quand tu veux. Où est-ce que tu le souhaites? Ah, on pourrait peut-être aller chez toi? Non. Chez moi, c'est trop risqué. Tu veux qu'on nous attrape? Une chambre d'hôtel, ça, moi je trouve plutôt c'est mieux. Ok, je connais un très bon hôtel. Je vais donc réserver. D'accord. Tu commandes et je serai attendu toute la nuit pour te faire le bon travail. Tiens, voici ma carte. Tu m'appelles quand tu veux. D'accord. Et nous ne l'avons tombé souvent sur les hommes. La qualité sont les plus importantes. En tout cas, j'espère que les enfants sont finis de préparer. Parce qu'il est déjà 12 heures. Je vais vérifier.